Non, rassurez-vous, il ne s'agit pas d'une manifestation officielle, il ne s'agit pas de l'apparition du président de la République. Ni Michel Chapuis, ni moi-même, nous prenons finalement pour ce très haut personnage. Mais tout simplement, il s'agit là d'un hommage qui est rendu sur les orgues de l'Aulnay-sous-Saunier à Rouget-de-l'Isle, qui est originaire de cet endroit. Oui, exactement. Et la Marseillaise convenait particulièrement sur cet instrument. D'une part, comme vous le dites, Rouget-de-l'Isle étant originaire de Lons. Et d'autre part, la tonalité choisie de la majeure a mis en valeur le ravalement de cet orgue extraordinaire qui est l'orgue de Lons-le-Saunier, édifié par Calinet et restauré magnifiquement par Pascal Coirin. Alors c'est un orgue de trois claviers, clavier de pédalier, le fameux ravalement au la. En tout cas, il y a quand même un certain nombre de jeux là, qui sont des deux côtés de ces claviers. Il y a une quarantaine de jeux, je crois. Oui, c'est ça, il y a une quarantaine de jeux. Et c'est effectivement un des rares, sinon le seul instrument de Calinet possédant ce ravalement. Et chose très rare également, non seulement les anches descendent au ravalement, mais également les fonds. Alors le ravalement, une petite explication très vite. Eh bien le ravalement, c'est tout simplement ici le petit ravalement, c'est-à-dire la tierce mineure en dessous de la tessiture normale. Les pédaliers commencent en général au do et celui-ci commence au la. Alors ce qui donne des possibilités, finalement, on a pu le remarquer tout de suite dans cette Marseillaise, ça donne une gravité vraisemblable à l'instrument. Bien sûr, car on a déjà les premières notes du 32 pieds. Et un instrument de cette dimension, qui est un 8 pieds ordinaire, c'est-à-dire un instrument avec la montre et le bourdon de 16 à l'intérieur, prend immédiatement une dimension inaccoutumé grâce à ces quelques notes supplémentaires. Alors, nous sommes dans l'église des Cordeliers à Lons-le-Saunier et au-dessus de nous on a un buffet, assez beau d'ailleurs. Pour un buffet des années 1842-43, c'est assez étonnant quand même, il y a encore d'une assez grande élégance. Oui, c'est un buffet qui est tout à fait classique dans ses proportions et qui est même parmi les plus élégants probablement que Calinet ait construit. Alors on dit Calinet, mais c'est les deux frères Calinet, c'est Joseph et Claude Ignace, je crois. Ce sont les frères Calinet, oui, c'est ça. Qui étaient établis à Rouffach, en Alsace, qui étaient les héritiers d'une tradition fantastique, puisqu'ils étaient les fils de François Calinet. François Calinet, je crois, avait épousé la fille de Rabini, lequel était le neveu de Carl-Joseph Rippe, qui a construit les orgues d'Ottobeuren et de Dole et de Dijon. Voilà, c'est ainsi qu'il y a une tradition qui s'est propagée jusqu'à Calinet, oui, depuis Rippe et peut-être même avant. Alors ça, c'est le véritable orgue romantique, Michel Chapuis. C'est un instrument qui n'a rien à voir avec un cavaillé-col, par exemple, de la même époque. Pensez que Lons-le-Saunier est contemporain, à un an près, de l'instrument de Saint-Denis, édifié par cavaillé-col. Or ici, vous ne trouvez ni de flûte harmonique, ni le système à double pression, ni toutes les innovations qu'employait Cavaillé-Coll. C'est un instrument qui, dans le fondement, est resté encore très classique. Toute la tuyauterie est coupée sur le ton, je sais bien que Saint-Denis aussi, mais à Saint-Denis, on a tout de même des innovations qui feront date plus tard dans la facture d'orgue. Alors au début, donc, on a entendu la Marseillaise pour nous mettre en appétit. Et alors je vois que vous avez choisi une pièce d'un auteur qui est originaire de Lons-le-Saunier également, outre Rouget-de-l'Isle. Il s'agit de Jules Blanc. Alors qui était ce Jules Blanc? Eh bien, on sait très peu de choses sur Jules Blanc. Michel Roger, qui a fait l'historique des instruments du Jura et qui a recherché pas mal de documents sur les archives, dans les archives concernant l'orgue de Lons-le-Saunier, m'a dit que jusqu'à présent, on n'avait pas grand renseignement sur ce Jules Blanc. Mais il semble que Jules Blanc fut quand même le premier titulaire de cet instrument. C'est pourquoi il nous a semblé intéressant au moins de donner une de ces pièces pour avoir une idée de ce qui se jouait à l'époque. Oui, alors, parce que c'est la question. Que jouait-on sur ces orgues des Calinet, justement, en plein 19e siècle? Oui, eh bien, vous allez le savoir tout de suite. Voilà. Une procession. Ici, c'est une procession de la fête d'un village surprise par un orage. C'est un tableau musical composé pour orgue par ce monsieur Jules Blanc, dont c'est l'opus 14.
Et alors, il y a indiqué justement sur la partition, exposer des situations. Alors, je crois qu'on va exposer la situation à chaque fois. Oui, c'est une véritable petite symphonie à programme. Oui, c'est de la musique descriptive. Et alors, dans ces fameuses situations, eh bien, on retrouve une citation aussi. Oui, il y a trois mesures qui sont très curieuses, car elles rappellent la sixième symphonie de Beethoven, la symphonie pastorale. Voici le passage. Oui, c'est très court, évidemment, ce n'est peut-être pas voulu, mais c'est amusant de ouais. Est-ce un hasard quand même proche. Au 19e siècle, on connaissait cette symphonie. Oh, je crois, oui, c'est tout à fait un hasard. Oui. Oui. Vous pensez que c'est un hasard ou... Oh, je crois, oui. Ah bon, oui. De même, les formules... On a aussi cela dans la pastorale de Bach. Oui, c'est des formules de pastorale. C'était des formules de pastorale, des formules très naïves. On répète plusieurs fois de suite le même arpège, vous voyez. Et en fond, c'était à celui qui paraîtrait le plus naïf dans ce genre-là. Alors, l'exposé des situations. Première situation, Michel Chapuis. Alors, le premier tableau, ce sont les villageois qui se rendent à l'église au son de la musette. S'enchaînera le second tableau, cloche et fanfare annonçant la fête. Alors après que les villageois soient rendus à l'église au son de la musette et qu'on ait entendu les cloches et fanfares annonçant la fête, on passe à un autre tableau. Oui, c'est la sortie de la procession avec tambour et musique militaire. Thank you.
après la sortie d'une procession, avec tambour et musique militaire, on ne pouvait s'attendre finalement qu'à voir apparaître finalement le corps des jeunes filles, parce que on sait bien que les militaires finalement se trouvent toujours sur le passage des jeunes filles et vice-versa. C'est ça, oui. Mais je ne pense pas qu'il ait eu l'idée de mettre l'air de la Madelon, n'est-ce pas ? Non, c'est simplement... C'est trop tôt tout de même. Oui, c'est encore un peu tôt, oui. Non, maintenant, c'est le cantique des jeunes filles. Et cœur de voix humaine. Et cœur de voix humaine, c'est ça. C'était le cœur de voix humaine, donc, de ce cantique des jeunes filles. Et alors, on a entendu quand même le début d'un orage. Enfin, ça gronde dans le lointain. Oui, c'est ça. L'orage n'est pas loin, n'est-ce pas ? Alors, dans le tableau suivant, on va décrire le commencement de l'orage. Mais auparavant, grand vent, précurseur de la tempête. Et ensuite, nous retrouvons les jeunes filles. Oui. Alors ensuite, l'orage... La foudre tombe, mais épargne les gens qui étaient là dans la procession. Et alors on a la prière des jeunes filles pour demander à Dieu de faire cesser l'orage. C'est ça. Alors à ce moment-là, les jeunes filles prient et l'orage cesse. Oui, on se croirait dans un tableau de Courbet, tout à fait. Thank you.
Ah, Michel Chapuis, là, nous quittons les jeunes filles. Il me semble que l'orage s'est un petit peu calmé. Là. Oui, ça va mieux maintenant, oui. Ça va mieux. Et alors, on va assister maintenant à la fin de cet exposé des situations, les deux dernières situations. Alors, les deux dernières situations, eh bien, c'est le retour de la procession à l'église. Et puis, on retrouve la pastorale du début qui évoque le retour des villageois dans leur demeure. Avec le merveilleux hautbois donc, de cet instrument des câlinés de Lancelot Saunier. Avec le retour des villageois dans leur demeure, Michel Chapuis, se terminait l'exposé des situations de la procession de la fête d'un village surprise par un orage, tableau musical composé pour orgue par Jules Blanc, organiste de cet instrument. C'est quand même assez émouvant d'entendre cette musique, quoi qu'on en pense. Oui, bien sûr. Et puis, il est très intéressant de connaître ce qui était joué à l'époque sur les câlinés, sur tous ces instruments que nous avions dans l'est de la France. Oui. Alors, ces câlinés, enfin, il faudrait peut-être... Sans faire toute leur histoire, c'est pas possible. On renvoie au livre de Monsieur Meyersiat sur la question qui a été publié aux éditions Istra il y a quelques années à Strasbourg, qui est le grand spécialiste des câlinés, l'historien des câlinés. Mais ces câlinés, donc, ont laissé dans cette région qui vous est chère, j'ai échappé aussi bien la Bourgogne que la Franche-Comté, sûrement pleine Franche-Comté ici. Ces câlinés ont laissé quantité d'instruments jusque dans le moindre village parfois. Oui, c'est... Alors, pas de l'Alsace, bien sûr. Bien sûr, la production des câlinés est immense. Si, comme vous le soulignez tout à l'heure, l'histoire des câlinés est maintenant mieux connue, notamment des câlinés d'Alsace grâce aux travaux de Meyersiat, de Schaeffer et d'autres encore. Par contre, la musique qui était exécutée sur ces instruments, l'histoire de cette musique reste encore à faire. Vous voyez, et il est certain que vous avez entendu la pièce de Jules Blanc, mais il y avait d'autres compositeurs, notamment en Alsace, qui écrivaient encore vers 1850-1860, qui écrivaient encore dans le style fugueux, sans doute sous l'influence de l'école allemande. Et tout dans ce 19e siècle n'est pas
risible n'est pas de la même veine, n'est-ce pas? Il y a quand même des pièces sérieuses. Alors on va quitter un petit peu ce 19e, on va remonter dans le 18e siècle, parce que ce type d'instrument, tel que les Calinets l'ont développé, ce type d'instrument, finalement, vous le disiez tout à l'heure, relève aussi de l'esthétique encore du 18e siècle. Il a gardé certains éléments qui permettent justement de jouer sur eux, justement, tout ce répertoire. Par exemple, c'est d'Andrieux. C'est certain que là, on est beaucoup plus à l'aise pour jouer d'Andrieux et la musique classique française à Lons-le-Saunier qu'à Saint-Denis même. Saint-Denis avait conservé encore tout le grand plein jeu à la française, le grand plein jeu de Dom Bédos, mais Saint-Denis n'avait plus de positifs séparés. Et puis, on n'avait pas non plus le répondant du grand plein jeu dans le positif comme nous l'avons ici. On peut dire qu'ici, c'est un instrument sous le rapport des pleins jeux qui est semblable à d'autres huit pieds construits au XVIIIe siècle en France à l'époque. Oui, bien que le plein jeu, c'est Pascal Guarin qui l'est mis au positif. La disposition du plein jeu est moderne, mais elle est reprise sur des exemples que nous avions en Alsace. Oui, donc c'est un plein jeu tout à fait vraisemblable. Et il est probable que ce monsieur Jules Blanc, qui a fait faire ici un ravalement, et demander aussi d'autres modifications à Calinet, n'est-ce pas, comme cette doublette qui était, je crois, en dessus dans le positif. Je m'adresse à Michel Roger en ce moment pour confirmer. Qui vous aide pour tirer les jeux. Voilà. Et qui connaît bien l'histoire de l'orgue. Je crois qu'il n'y avait qu'une doublette, un dessus de doublette dans le positif à l'origine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un dessus de doublette qui n'a pas été construit dès le départ. Mais à peu près un an après la réception des travaux, Calinet a récupéré un sifflet qu'il avait mis sur la chape de l'actuel bombard de grand orgue et qui est devenu un dessus de doublette au positif, au troisième fa dièse. Oui, alors les organistes qui nous écoutent et les amateurs d'orgue savent tout de suite ce que c'est qu'un sifflet, une chape, une bombarde. Mais pour les non-initiés, c'est toujours un petit peu... Il y a tout un jargon, enfin, très très spécialisé hein, quand on parle d'orgue. Oui, naturellement. Mais de tout ceci, pour résumer ce que je voulais vous dire, est que, à savoir que les facteurs d'orgue obéissaient à certains impératifs financiers, quelquefois, ou bien se soumettaient aux idées des titulaires. Ainsi, un grand orgue comme Bar, par exemple en Alsace, qui est un grand instrument d'une cinquantaine de jeux avec positifs séparés, l'organiste n'avait pas voulu de jeux plus aigus que le 4 pieds dans le positif. Or ici, on trouve ce ravalement, cette demi-doublette, probablement aussi à la demande du titulaire. Alors finalement, Jules Blanc n'avait pas peut-être si mauvais goût que ça. Hein. Ah, c'est fort possible d'ailleurs. Je n'ai jamais dit que la pastorale était une œuvre de très mauvais goût. Alors maintenant, nous remontons dans le temps. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle et... Jean-François d'Andrieux est organiste de Saint-Méry. Il appartient lui aussi à une dynastie d'organistes. Il a laissé des pièces, je crois, qui méritent d'être sorties de l'oubli. Oui, c'est une musique qui commence actuellement à être jouée, mais enfin, ce n'était pas un des auteurs les plus joués de l'époque. Dans une des pièces, d'ailleurs, qui justifie le titre qu'avait reçu d'Andrieux à l'époque, on l'appelait le musicien allemand, car il écrivait des fugues d'une manière continue, comme faisaient les Allemands à l'époque. Et ce sera illustré, ce que je dis là, par la fugue qui fait partie du grand offertoire en ré mineur. Alors c'est le Magnificat d'abord qu'on entend gravement, et ça c'est le grand plein jeu de l'instrument de Lons-le-Saunier, des Calinets.
Alors, c'est une unité très brillante, c'est ce qu'on appelle le plein jeu. Alors, oui, c'est ça, c'est le grand plein jeu. Pour les pièces suivantes, duo et trio, alors on entendra à la basse le grand jeu de tierce à la main gauche du grand orgue et le dessus de cornet du positif. Et pour le trio suivant, ce sera la basse de tierce la même que pour le duo et les deux dessus par le hautbois du récit avec la flûte de 4. Alors, il y a toujours des indications en français très jolies, gaiement et soutenues, et ensuite modérément, sans lenteur. Oui, très souvent, ce sont des termes de mouvement aussi. Gaiement et égal mouvement rapide. Bien sûr. Oui. Alors on continue dans ce magnificat Michel Chapuis de Jean-François d'Andrieux, donc compositeur français du XVIIIe siècle, organiste de Saint-Méry. Oui, par les versets suivants. Et basse et dessus de trompette. Ici, c'est la trompette du grand orgue qui sera utilisée. Avec le jeu doux du positif, montre de 8, bourdon de 8 et flûte de 4. Et dans la pièce suivante, le récit de trompette séparée ou de cromorne. Il ne sera pas joué sur une trompette, mais sur le hautbois du récit que j'habillerai, si j'ose dire, avec le bourdon et le salicional, ainsi que le tremblant doux. Oui, alors on verra que ça sonne très différemment et qu'on le retrouvera. On va retrouver un peu la sonorité entendue dans la pastorale tout à l'heure de Jules Blanc. Oui, un petit peu différemment parce qu'ici, il sera davantage entouré, si j'ose dire. Enrobé. Enrobé, voilà. Et puis alors, je pense que récit de trompette ou récit de hautbois dans la musique du XVIIIe siècle, c'est très voisin. Car dans les devis de facteurs d'orgue, on trouve très souvent, on mettra au troisième clavier une trompette pour imiter le hautbois. Thank you.
La dernière pièce de ce Magnificat, c'est un dialogue. Alors là, on retrouve aussi des formules qui rappellent celles qu'on entend dans les grands motets de la même époque, qu'on entend aussi à l'opéra. C'est-à-dire que tous ces versets, je ne l'ai pas dit précédemment, mais illustrent des versets du Magnificat. Ainsi, la base de trompette, c'était le verset « Deposuit potentes décédé », il renversera de leur trône les superbes, élèvera les humbles. Et ce grand dialogue en la mineur, c'est un dialogue entre le grand jeu du grand orgue, le petit jeu du positif et le récit de cornet. Et ce dialogue illustre la doxologie « Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et à l'Esprit Saint ». Dialogue de Jean-François d'Andrieux et Jean-Michel Chapuis, vous avez tourné quelques pages et puis on a abandonné donc le Magnificat de ce compositeur pour tourner vers une registration typiquement française qu'on peut réaliser ici à Lons-le-Saunier. Oui, on peut la réaliser parfaitement avec le jeu de tierces du grand orgue. Tierce, ah, c'est un petit peu exceptionnel. Non oui, c'est une tierce effectivement qui a été demandée par M. Blanc. Cette tierce en taille de d'Andrieux, d'ailleurs, est un peu différente des autres tierces en taille, qui sont en général des pièces tout à fait recueillies. Au début de celle-ci, d'Andrieux indique fièrement. C'est une tierce avec des gammes montantes. Enfin, elle a un caractère assez différent des tierces à la Grigny ou à la Couperin. Oui, on pense toujours un petit peu à l'opéra de cette époque-là, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais tout à fait. Ah, tout à fait. Bah, d'ailleurs, les tierces, ce sont des récits, ce sont des récitatifs, ça se joue fièrement, mais librement aussi. Thank you.
entendu une enregistration, donc on le disait tout à l'heure, typiquement française, c'est celle de la tierce, du jeu de tierce, qu'on trouve exceptionnellement, on peut dire, sur un orgue des frères Calinet. Parce que je crois qu'au XIXe siècle, c'en est fait de ce jeu. Oui, au XIXe siècle, en effet, la tierce est très souvent remplacée par une gambe ou un salitionnal. Et chez Calinet, ici, par le un-pied. Alors on continue avec ces pièces qui sont un petit peu indépendantes. Hein. Il y a toute une série de pièces, il y a une musette, il y a un offertoire. Oui, ce sont des pièces groupées suivant les tons. Ça, c'est une suite en la majeur. La musette que vous allez entendre pouvait se jouer au moment de la communion, par exemple pour une messe de minuit. Oui, ça, c'est des pièces un peu noélisantes. Hein. Voilà, tout à fait. Bon, alors Jean-François d'Andrieux, alors une registration, là aussi, un petit peu originale, finalement, qui va rappeler les instruments traditionnels. Oui, on entendra le cromorne, ici, situé dans le grand orgue, qui dialoguera avec la voix humaine du récit. Alors on va passer de l'évocation de la pastorale, de la musette, ces musettes d'ailleurs qu'on retrouve dans tous les opéras de cette époque. Enfin, j'ai entendu récemment un opéra de Leclerc, il y a une musette, dans les fêtes des baies de Rameau et puis d'autres opéras de Rameau et de ses contemporains, il y a aussi des musettes. On va quitter donc ce climat enfin pastoral qui convient tout à fait à cette région de l'Orne-Saunier d'ailleurs, où j'appuie. Pour alors là, une pièce, un offertoire d'allure tout à fait italienne. Alors, tout à l'heure, vous parliez de Bach à propos de d'Andrieux. Et là, la relation est tout à fait directe, je crois, parce que ce sont les mêmes ingrédients dans l'une et l'autre musique. Oui, c'est un mouvement continu dans la fugue. Et alors, une fugue beaucoup plus écrite que la plupart des pièces françaises qui s'appellent fugues, qui sont en général des pièces en France, en contrefaiseur, c'est-à-dire en imitation, et souvent à deux voix. Pour l'exécution d'ailleurs de ces pièces, quelquefois deux voix, on a par exemple quelques indications. Dans Bénaud, il dit on peut rajouter une troisième, une quatrième voix à volonté. Ici, d'Andrieux a écrit parfaitement sa pensée, et l'offertoire et la fugue en ré mineur font partie d'une sonate pour basse continue et violon. Et c'est une transcription pour orgue faite par l'auteur, ça. Et alors on va retrouver, je parlais d'ingrédients, enfin, le mélange de style français et style italien. Là, oui, là, le style... Une sorte de dynamique à la Vivaldi un petit peu. C'est ça, tout à fait, tout à fait.
Alors voilà la dernière pièce donc, de Jean-François d'Andrieux sur ces orgues Calinet de Lons-le-Saunier qui ont été restaurés par Pascal Coirin. Et tout à l'heure, on fera un petit entracte, si vous voulez, Michel Chapuis, on parlera un petit peu de la restauration tout de même de cet instrument. Alors Michel Chapuis, je suis descendu là pour vous écouter dans la nef. Je vous ai quitté quelques instants. On est stupéfait par la beauté de cet instrument, donc des frères Calinet. Puis alors ce tourbillon complètement des cordes célestes, tourbillon alléluiatique, véritablement de cet offertoire et bien dans le goût qu'on avait au XVIIIe siècle aussi pour ces plafonds, vous savez, en trompe-l'œil qui meublaient certaines églises. Tout à fait. Et l'instrument que vous entendez ici correspond tout à fait à un grand jeu qu'on aurait pu entendre dans une église à la fin du XVIIIe siècle. Alors ce grand jeu, ce sont les ingrédients aussi de l'orgue français de cette époque. Ah, tout à fait, là il n'y manque absolument rien. On a ces trompettes multiples qu'on trouve au positif, au grand orgue.
les doubles clairons, les dessus de cornet, enfin tout est là pour faire un grand jeu fabuleux dans un instrument d'apparence pourtant modeste. Alors dans cette musique du XVIIIe siècle français, il y a une espèce de joie, il y a un plaisir, un hédonisme fou. Hein. Je crois que vous vous retrouvez aussi, j'aime bien cette musique. Non ? Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup ces œuvres d'Andrieux qui sont très, très joyeuses et très graves en même temps. L'introduction a une certaine profondeur, une certaine gravité. Oui, c'est presque tragique, oui. Puis alors, d'un coup il y a l'explosion. Absolument, oui. D'ailleurs, c'est un thème de fugue qu'on retrouve traité à nouveau par certains auteurs au XIXe siècle, ce thème de fugue de d'Andrieux. Oui. Alors, Michel Chapuis, j'oublie pas que vous jouez un très grand rôle, enfin vous avez joué un très grand rôle et vous jouez toujours ce rôle-là dans la restauration des orgues anciennes en France. Ça, c'est un exemple aussi de restauration, c'est Pascal Coirin donc, qui a achevé cette restauration l'année dernière. Et si j'ai choisi de vous faire jouer ce soir sur cet instrument, c'est parce que aussi, d'une certaine manière, les facteurs d'orgue ne pourront peut-être pas aller tous à Musicora, cette grande exposition des instruments et de la musique au Grand Palais qui va s'ouvrir demain, car ils ne peuvent pas transporter des orgues, par exemple, de ce type sur leur dos, bien entendu, mais aussi parce que je crois que cet instrument marque sinon une date, tout au moins marque... finalement, est tout à fait significatif d'un renouveau dans la facture d'orgue, je crois, et dans peut-être certaines méthodes utilisées dans les restaurations. C'est vrai. Et il est certain qu'on aurait restauré cet instrument il y a maintenant 10 ou 15 ans, on n'aurait certainement pas obtenu le même résultat. Je crois que c'est par l'observation des instruments anciens, le parfait respect de toute la tuyauterie qu'on est parvenu à cela. Alors, ce sont les facteurs qui ont changé ou est-ce que c'est tout un ensemble qui a changé en France ? Les facteurs ont changé, bien sûr, et il faut dire que la Commission des monuments historiques a également évolué d'une manière assez spectaculaire depuis 10 ou 15 ans. Il n'est plus question actuellement de faire des instruments de compromis avec un peu d'orgue romantique, un peu d'orgue classique. Je crois que maintenant, on a compris qu'il existait des instruments de différents types, des instruments classiques, des instruments romantiques, et on les restaure dans l'esthétique qu'ont été la leur dès l'origine. Mais par exemple, ces instruments câlinés, on disait à un moment donné, sont des instruments de transition, un petit peu bâtards, ce ne sont pas des instruments romantiques, ce ne sont pas des instruments classiques. Alors, on les baroquisait ou alors on les modernisait, on en faisait des orgues symphoniques. Enfin, il y a eu quand même des catastrophes de ce côté-là. Oh, bien sûr. Il y a eu encore les câlinés ont échappé, j'allais dire, plus facilement qu'un cavaillé-colle. Parce que le câliné possédait encore beaucoup de jeux classiques, n'est-ce pas ? Tandis qu'un cavaillé-colle était beaucoup plus romantique, avec une harmonisation différente, des doubles pressions. Et la baroquisation des cavaillé-colle est beaucoup plus dramatique que celle des câlinés. En général, les interventions dans les grands câlinés, prenons par exemple un orgue équivalent de celui-ci, c'est Sainte-Croix-en-Plaine en Alsace. Eh bien, Sainte-Croix-en-Plaine, le mal n'est pas irréversible. Là où il y avait une gambe, on a mis une cymbale. Il serait très facile de remettre une gambe. Mais on n'a pas changé le fondement de l'instrument. Il est resté avec sa même pression et sa même harmonisation. On n'a pas tenté de le faire changer complètement de style. Vous voyez, les câlinés n'étaient pas très appréciés, c'est vrai, il y a quelques années, mais ils ont peut-être échappé plus facilement, justement, aux modifications. Alors la restauration a été décidée il y a quelques années, ici à Lons-le-Saunier. Oui, bien pour ça, il faudrait, je pense, questionner Michel Roger, qui a été un des artisans de ce renouveau, qui s'est penché sur l'histoire de l'orgue et qui a beaucoup, certainement, encouragé Coirin à entreprendre ce magnifique travail. Oui, parce qu'il était en quel état, Michel Roger ? Alors cet orgue, il était tout simplement dans l'état où Merklin l'a laissé en 1899, c'est-à-dire un orgue avec machine Barker, des fonds complètement éteints, les tuyaux avaient été pavillonnés pour la plupart. Un exemple, le jeu de doublette, le Nazar, les pleins jeux du grand orgue avaient des pieds complètement fermés. On se ressemblait plutôt à un harmonium géant qu'à un orgue, comme on le voit aujourd'hui en tout cas.
Oui. Alors, ça c'est une question. Qu'est-ce qui est arrivé à tous ces instruments? Donc, à la fin du 19e siècle, le goût avait changé. Tout ce côté maintenant qui nous ravit, ce côté, j'ai parlé de plaisir, de jouissance même, du son. Tout ça, semble-t-il, ne convenait pas finalement aux gens du 19e siècle, je crois, à la fin. C'est-à-dire que l'influence de Cavaillé-Coll a été immense en France et dans le monde même. Et je crois que la plupart des facteurs d'orgue prenaient Cavaillé-Coll en modèle. Oui, mais c'est éclatant aussi, Cavaillé-Coll. Tandis que transformer un câliné en sorte de grand harmonium, ça me semble énorme. Ah bah oui, c'est-à-dire que, disons qu'on accentuait peut-être les contrastes. Les fonds, par exemple, devenaient beaucoup plus doux, effectivement. Mais par contre, le cœur d'ange était quand même... Là, évidemment, nous l'avons entendu assez abîmé malgré tout, et puis alors avec une mécanique quand même très déficiente. Mais peut-être qu'en 1890 ou 99, comme vous disiez tout à l'heure, l'orgue avait un peu plus de tonus. Alors pour jouer, là on a entendu de la musique française, on a entendu au début finalement de la musique on ne peut plus française, avec cette introduction un petit peu martiale, la marseillaise, hommage discret, j'allais dire, entre guillemets, à Auger de Lille, qui est originaire de Lens-le-Saunier. Alors maintenant, vous allez aborder la musique allemande avec Johann Sebastian Bach. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, là, ici, d'adaptation? Parce que c'est toujours le problème. Oui, le problème, évidemment, on n'a pas ici un instrument de Schnitger ou un instrument allemand pour traduire l'œuvre de Bach. Mais je pense que sur tout instrument dont la matière sonore est belle, toute musique peut être traduite, même si elle n'est pas traduite dans les couleurs qu'ont imaginé l'auteur. Alors ça, c'est le rôle transcripteur de l'orgue. Oui, il ne faut pas oublier que lorsque Bach a recopié l'œuvre des Français, l'œuvre de Grigny en particulier, Bach n'a jamais eu à sa disposition un orgue français. Il a dû faire probablement la même chose que nous faisons avec son œuvre, n'est-ce pas? Alors on peut exactement le faire avec ces variations, cette partita, Zagregus, cette... Oh, certainement, oui, certainement. Alors on va entendre toutes sortes de registrations, je crois, et il est peut-être inutile de les rappeler, mais enfin il y en a peut-être une ou deux. Je crois qu'on va entendre à un moment donné un cornet, super. Mais oui, oh ben je ferai appel aux ressources évidemment de l'orgue de Caliné. Je ne prétends pas que ce soit là les couleurs, bien sûr, voulues par Bach, mais enfin vous verrez que je pense musicalement... Et instrumentalement, cet instrument-là traduit assez bien la musique du cantor de Leipzig.
Partita sei gegrüßet. Alors Michel Chapuis, là, il faut redescendre sur terre. Pour ça, c'est très très difficile. Après Johann Sebastian Bach. Oui, mais en choisissant Boivin, je crois que nous restons dans un très haut niveau musical. En effet, Boivin est un excellent compositeur qui n'est pas très joué, et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, le dialogue en la mineur, le fond d'orgue ici, sont des pièces d'une excellente facture, d'une très belle harmonie. C'est extraordinairement bien composé. Et c'est regrettable qu'on n'en joue pas plus souvent. Alors il laisse quand même une œuvre très importante, enfin beaucoup de pièces d'orgue qui sont toutes éditées. Il était organiste à Rouen. Oui, c'est ça. Et on trouve dans son œuvre, par exemple, des caractéristiques de l'école rouennaise, comme les dessus de tierces en accord. L'utilisation aussi du larigot de grand orgue. Marchand aussi, à l'exemple de Corrette, fait revenir quelquefois le thème qu'il a énoncé au début d'une pièce. C'est assez rare dans l'école française. Alors là, c'est un fond d'orgue rempli de retard. Enfin, ça fait penser d'harmonie, comme les aimait par exemple Froberg. Oui, c'est ça. Ça fait plus penser à Froberger qu'au fond d'orgue de Marchand, qui ne doit pas être pris en modèle de fond d'orgue. Le fond d'orgue de Marchand est une très belle pièce, mais c'est une exception dans la musique française. En fait, le fond d'orgue de Boivin répond davantage à la forme qu'ont donné les Français de son temps. Alors écoutez, ce fond d'orgue, c'est un petit peu ce que disait Rip, le grand-oncle finalement des Kalinés qui ont construit cet instrument. Je crois qu'il parlait de les fonds, c'était un petit peu comme, je sais pas, un très bon vin de Bourgogne. Enfin, oui, c'est ça. Oui, enfin, Rip assimilait chaque mélange à un plat culinaire, je ne sais plus exactement. Oui, à quel plat culinaire il assimilait. En tout cas, les fonds, ce sont tous les jeux à bouche. Oui, c'est ça, oui, oui. Vous les avez tous mis, là, ici ? Ah, j'ai tout mis, oui. J'ai mis tous les fonds d'orgue, oui, tous les jeux à bouche, oui. Après ce fond d'orgue rempli d'harmonies, divines harmonies, Michel Chapuis, où les Français d'ailleurs excellent dans tous ces systèmes de retard et tout ça. C'est... Ah oui, et principalement dans les fonds d'orgue et les pleins jeux. Là, on demandait justement aux compositeurs de ménager les retards, les dissonances, et certains, comme Boivin, le faisaient avec un très grand raffinement. Boivin, Guilin également, Marchand. Alors, il y a une très grande pièce de Boivin, c'est une de ses plus belles pièces, finalement, que vous avez choisie. C'est le grand dialogue à quatre chœurs, qui fait aussi partie du deuxième livre, donc écrit par ce compositeur. Et alors, il y a des choses tout à fait étonnante quand même dans cette pièce. Enfin, je crois que on mesure peut-être pas la grandeur finalement de cette musique suffisamment, enfin tout au moins dans notre pays. Non, ce grand dialogue à quatre chœurs est un des chefs-d'œuvre de la musique française. C'est une pièce qui est admirablement structurée, les idées en sont superbes, mélodiquement c'est d'une très haute qualité. Et puis l'emploi des quatre claviers de l'instrument
en font de Boivin le précurseur en fait de la boîte expressive. Il veut, par un effet d'écho, une sorte d'atténuation du grand jeu. C'est un effet très curieux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fondu enchaîné. Oui, absolument. Oui. C'est ce qu'on appellerait un fondu enchaîné, effectivement. C'est un écho qui se fait sans aucune rupture, donnant l'impression d'un diminuendo. Et non pas, finalement, d'un effet d'écho au sens strict du terme. Non, pas du tout. J'en veux pour preuve certains détails d'écriture où Boivin, par exemple, prolonge la basse sous le cornet du récit. Et cet effet, par exemple, de la basse prolongée sur un do, la basse résonne surtout, imaginez, dans une cathédrale comme Rouen, avec une très grande intensité, couvrait le cornet de récit. Et le cornet de récit couvrait lui-même le cornet d'écho. Mais on avait toute une impression de diminuendo. Puis alors, on peut évoquer toujours l'opéra à propos de ce grand dialogue à quatre chœurs. On est tout à fait peut-être dans certaines scènes tout à fait lulliennes, mais avec une grandeur quand même de l'harmonie peu commune. Je crois, aussi. Oui, absolument. Oh, oui, c'est tout à fait c'est une grande ouverture. Ensuite, des effets d'écho, et ça se termine avec un retour à l'ouverture à la française. Oui. Voilà, Jacques Boivin.
Michel Chapuis, en vous entendant jouer cette dernière pièce, je ne pouvais pas ne pas penser à l'orage que vous aviez déchaîné au départ, parce que c'est un petit peu la même chose, surtout quand on sait, il y a des effets, on a l'impression qu'il y a des éclairs, ça fait jupitérien à la fin de la pièce, cette pièce de Jacques Boivin, donc de cet organiste rouennais du XVIIe siècle, la fin du XVIIe. Et je pensais aussi que l'orgue qu'il avait tenu à Rouen avait terminé sa carrière à la suite d'un orage. Oui, sans hasard. C'est vrai, oui, oui. L'instrument Boivin n'a pas eu de chance. Par contre, on ne connaît pas exactement la disposition de l'orgue que jouait Boivin. Mais en examinant ses œuvres, on peut peut-être la reconstituer à quelques jeux près. Oui. En tout cas, il avait eu un cliquot après oui. ça. Oui, c'est ça, oui, oui. Oui. Il n'a rien perdu. Oh, certainement, oui. Mais voyez-vous, les œuvres de Boivin, d'abord, beaucoup, certaines pièces descendent au ravalement, au la. Ça monte également au ré, donc il avait certainement un très grand pédalier à l'époque. Et puis, en examinant sa musique, on peut penser qu'il avait, par exemple, une flûte de 4 au grand orgue, ce qui n'était pas, enfin, ce qui était encore la règle à l'époque, au début du 18e. Alors, vous écoutant jouer aussi des pièces françaises, je me souvenais que moi, je vous avais rencontré il y a très très longtemps déjà, à Saint-Nicolas-des-Champs, à l'époque où Saint-Nicolas-des-Champs fonctionnait avec des élastiques, je me souviens. Ça continue d'ailleurs, c'est pas restauré Saint-Nicolas-des-Champs, bien sûr, ce magnifique cliquot. Oui, c'est-à-dire que la mécanique de cet orgue est dans un état très précaire actuellement. Jean Boyer maintient cette mécanique comme il peut. Il y a un peu plus d'élastique que lorsque j'étais organiste. Ça ne s'est pas amélioré. Mais Saint-Nicolas, là, effectivement, nous nous sommes connus, possède encore un important matériel du XVIIIe siècle. C'est probablement avec Saint-Gervais, un des instruments de Paris qui est actuellement dans un état de conservation remarquable. Oui, alors là, je fais le lien. Oui, c'est ça. Alors là, je fais le lien avec la facture d'orgue, puisque ce concert donc inaugure un petit peu ces concerts de cette grande semaine Musicora, qui voit la réunion de facteurs d'orgue et de facteurs de toutes sortes d'instruments. Vous posez une dernière question finalement au sujet justement de cette facture d'orgue française. Est-ce que la résurrection de tous ces instruments un petit peu partout en France n'a pas amené une sorte de réhabilitation de la musique française aussi écrite pour orgue ? Si, c'est certain. On a découvert les textes déjà depuis maintenant près d'un siècle, n'est-ce pas, avec Guillemant et Pirot. Et la découverte de l'instrument français, de l'orgue spécifique français, une découverte assez récente. Et les premiers essais pour réhabiliter l'orgue français du 18e datent d'une quinzaine d'années, pas plus. Et je crois qu'actuellement, effectivement, nous sommes tout de même sur la bonne voie. Alors, il y avait eu des pionniers à l'origine. Il y a eu Brunold, par exemple. Oh, il y a eu Brunold, bien sûr. Il y a eu Gabriel d'Alençon, Hermelin. J'en pense, n'est-ce pas, c'est certain. Joseph Bonnet aussi encourageait beaucoup ce mouvement. Alors si à l'heure actuelle on peut restaurer des orgues, c'est peut-être aussi grâce à ce mouvement, de ce grand départ. On pourrait presque parler de la musique ancienne à l'intérieur même de la musique d'orgue. C'est-à-dire l'intérêt porté à ces anciens maîtres, finalement, c'est quand même quelque chose qui a été une longue tradition peut-être dans la musicologie française. Oui, certainement. Mais il est certain que nous devons toute cette connaissance à des historiens, à des facteurs d'orgue qui, depuis fort longtemps, ont étudié déjà la question. Mais pour le moment, on n'a pas mis en pratique immédiatement toutes les théories. Il a fallu attendre un certain temps. Vous êtes confiant pour l'avenir de la facture d'orgue en France ? En tout cas, pour la restauration, certainement, oui. Bien sûr, nous voyons déjà tout le chemin qui a été parcouru depuis une vingtaine d'années dans la commission des monuments historiques. Il est certain que tout n'est pas encore merveilleux. Il ne faut pas penser que toutes les restaurations sont superbes, sublimes, n'est-ce pas ? Il y a encore des erreurs. Mais je crois tout de même qu'on a pris maintenant conscience de notre patrimoine français et qu'on ne peut plus détruire maintenant impunément n'importe quel instrument. Et les orgues neufs, alors ? Les orgues neufs, c'est un petit peu plus difficile. Je pense que là, l'orgue neuf
est liée à...